Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. Qui sait que l'on peut aussi trouver Venise en Essonne? Il faut aller pour cela dans l'historique ville d'Étampes, dont les divers canaux la traversant ont inspiré un rapprochement avec la célèbre cité des Doges, la rebaptisant Petite Venise de l'Essonne. Mais l'analogie ne s'arrête pas là, et l'on pourra trouver encore un peu de la Sérénissime dans son théâtre. D'allure palladienne, le théâtre d'Étampes, achevé en 1852, est l'œuvre de l'architecte Gabriel Daviou, le même qui réalisa les deux théâtres de la place du Châtelet à Paris. À l'intérieur, c'est une très belle salle à l'italienne que l'on découvre. Tous ces éléments valent à ce lieu d'avoir été classé monument historique en 1982. C'est donc le cadre idéal pour recevoir notre invité d'aujourd'hui, Lorraine Elkin, écrivain d'origine new-yorkaise, universitaire et journaliste littéraire, installé à Paris depuis 2004 pour son roman « Une année à Venise », publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. De même que pour écrire sur Venise, il faut s'éloigner des clichés, de même, l'héroïne du roman de Lorraine Elkin, sous l'influence de son séjour vénitien, va voir beaucoup de ses certitudes voler en éclats. Venise correspond à l'image qu'en donne la culture populaire. Les gondoles, les pieux dans l'eau, les gondoliers eux-mêmes, leurs maillots rayés, leurs chapeaux de paille, leurs manœuvres pour atteindre ou quitter les embarcadères. Tout est incroyablement fidèle au mythe. Le grand canal scintille au soleil comme une mer d'ampoule électrique. Devant les palais, les bites d'amarrage rayées comme des sucres d'orge sont éraflées par endroits, mais pleines de charme et de gaieté. Même le délabrement et l'usure organique sont telles qu'on les avait imaginées. Des moisissures pourrissent à l'endroit où les clapoutis des eaux diaprées lèchent les poteaux aux marées hautes. Mais les tours en gondole sont hors de prix et je ne connaissais personne prêt à m'emmener gratuitement. Je fus donc surexcité d'apprendre qu'il existait une forme de transport en commun utilisant des gondoles. Un traghetto, du verbe traghettare, passer. Comme il n'y a que trois ponts sur le Grand Canal, les traghetti sont mis à disposition des Vénitiens qui souhaitent traverser ailleurs. Les traversées ne coûtent que 50 centimes et sont brèves, mais donnent une idée générale de ce qu'est une balade en gondole. À ceci près que ces bacs sont manœuvrés par deux bateliers au lieu d'un. Lorraine Elkin, bonjour et bienvenue dans l'Essonne en hauteur. Nous vous recevons aujourd'hui pour un roman que vous avez commis aux éditions Héloïse d'Ormesson qui s'appelle « Une année à Venise ». Ma première question est simple. Comme l'indique le titre français de votre roman, celui-ci se déroule à Venise. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Venise, c'est un cadre romanesque traditionnel. Beaucoup d'auteurs, beaucoup de devanciers prestigieux ont utilisé ce cadre. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à utiliser le cadre vénitien comme cadre d'un roman, de redite, de banalité, etc. Effectivement, quand je me suis mise à rédiger ce roman, je vivais à Paris, j'étais récemment installée à Paris, je pense que c'était en 2004, peu de temps après mon arrivée en France. Et en fait, c'était justement que je ne voulais pas commettre encore une fois un roman à propos de Paris, que j'ai commencé à regarder un peu autour de moi. J'étais en train de lire le roman de Ian McEwan à propos de Venise qui s'appelle « The Comfort of Strangers ». Ce n'est pas cité spécifiquement, ce n'est pas Venise qu'il cite exactement dans le texte, mais c'est clair qu'il s'agit d'une ville bâtie sur eau qui ressemble beaucoup à Venise. Et donc, c'était plutôt en lisant ce roman-là et en gardant en tête le roman de Jeanette Winterson qui s'appelle The Passion, que l'idée m'est venue de transposer un peu l'histoire que je voulais raconter de Paris vers Venise. Et c'est peut-être dans l'esprit américain que je me suis dit, bah tiens, je vais écrire quelque chose à propos de Venise, même s'il existe déjà une cliché assez clair, littéraire et artistique. Je me suis dit que c'était peut-être possible de raconter un autre côté de Venise, justement comme j'aurais pu faire à propos de Paris. J'aurais voulu écrire un roman à propos de Paris, de mon expérience personnelle à Paris, en présentant une expérience expatriée sur Paris qui était tout à fait différente de celle que l'on voit dans les romans de Hemingway ou Géparchi, Gertrude Stein. Paris a beaucoup changé depuis les années 20, depuis les années 30. Mais Venise, justement, ça m'a présenté avec beaucoup de possibilités de présenter un récit un peu plus mystérieux et un peu plus, je ne sais pas, un peu plus fin. Donc, justement, je ne voulais pas écrire encore une fois un roman de la vie expatriée à Paris.
Donc, en choisissant Venise, je pensais que justement j'allais À à l'encontre. l'encontre, c'est ce que j'allais dire, Voilà. merci, à l'encontre de l'histoire littéraire à Venise. D'accord. Et alors, donc vous venez de nous expliquer que finalement, l'inspiration vénitienne qui a été la vôtre, elle est venue d'un ouvrage. Mais Oui. il y a une question simple qui se pose. Est-ce que vous êtes allé à Venise vous-même? Oui, Ah bon, bien d'accord. sûr. Ce n'est pas une Venise de pure imagination. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est possible de rédiger un roman sans avoir visité les lieux. Janet Winterson, que je viens de citer, apparemment, elle n'a jamais mis pied à Venise avant de rédiger The Passion, La Passion. Mais moi, j'avais visité Venise en tant que touriste plusieurs fois quand j'étais au lycée, juste après l'université, et peut-être même pendant l'université, j'ai oublié. Mais non, en fait, je suis allée à Venise justement pour faire des recherches. D'abord, il s'agissait d'une volonté de savoir où exactement je pourrais placer la synagogue qui est au centre Bien du sûr. roman. Je n'avais aucune idée où j'allais trouver un endroit où le mettre, étant donné qu'il n'y a pas de sous-sol à Venise. C'est assez difficile. Donc, il fallait vraiment que je me promène dans les rues, que je regarde autour de moi. Et voilà. Ce n'est pas une Venise de pure imagination, c'est une Venise quand même dans laquelle vous vous êtes rendu. Alors on ne va pas raconter toute l'histoire de votre roman parce que c'est un roman foisonnant, mais disons que votre roman retrace le bouleversement que va connaître Catherine, qui est une doctorante d'origine new-yorkaise, justement en passant, comme le titre l'indique, une année vénitienne. Et dans l'image qui est renvoyée de Venise, donc c'est à travers les propos de Catherine, puisque la narration est conduite à la première personne, on peut parfois trouver chez le personnage un certain didactisme à propos de Venise. Alors, elle donne la définition de ce qu'est la mosaïque, elle donne la définition de ce qu'est le ghetto, elle donne la définition de ce que sont par exemple les incunables. Est-ce que ce didactisme, chez vous, correspondait à une certaine ironie pour se moquer des universitaires? Ou est-ce que c'est parce que vous visiez un certain type de lectorat que vous vouliez éclairer? Dans les moments où c'est didactique, si c'est didactique en fait, je pense que l'ironie, c'est peut-être aller un peu trop loin. Absolument, Catherine, c'est une universitaire et donc c'est son métier d'expliquer les choses aux Aux étudiants étudiants. qui ne sont peut-être pas au courant. Expliquer ce que c'est un incunable, je ne suis pas de. Enfin, ce n'est. Sûr que tout le monde. Oui, ce n'est pas mon avis que tout le monde soit au courant de ce que Bien c'est sûr. un incunable. Les mosaïques, je crois que c'est plutôt. Je cherchais plutôt à décrire ce que c'est la mosaïque, juste pour que l'on rentre un peu pas simplement dans la définition, mais pour se rendre compte Du que. travail qu'elle va faire, Oui, du etc. travail de quoi il s'agit quand il s'agit d'une mosaïque, c'est très travaillé, c'est minutieux ce travail, c'est vraiment quelque chose dont il faut s'en rendre compte. D'accord. Alors comme je le disais, donc Catherine, qui est une jeune femme, vient de New York, c'est une universitaire, et l'un des charmes de votre roman, c'est que c'est, je ne dirais pas autant, mais un roman bien sûr sur Venise et un roman sur New York. Et alors là, concernant New York, alors que je rappelle que vous-même, vous êtes new-yorkaise, vous étrillez cette ville, vous étrillez toute une classe sociale. Là, vous ne me ferez pas croire que vous n'êtes pas ironique, il y a beaucoup d'ironie. Qu'est-ce que vous avez avec New York? Personnellement, je n'ai rien de mal avec New York. J'adore New York. En fait, moi, je suis née à Long Island, qui est dans la banlieue new-yorkaise juste à côté. Donc, j'ai toujours eu une relation assez compliquée envers New York parce que c'est la ville, c'est la grande ville. Quand on vient de Long Island, il faut passer par New York pour aller n'importe où. Peut-être on parle de Manhattan en fait. Voilà. Donc oui, pour dire New York, C'est Manhattan. évidemment, c'est Manhattan. Voilà. J'ai fait des études à Manhattan, j'ai fait des études à Columbia University, tout comme Catherine. Mais oui, quand j'étais, dans les années après l'université et avant de m'installer en France, je me suis retrouvée dans une partie de la vie sociale à New York qui m'épatait. C'était juste des gens qui dépensaient des sommes énormes pour n'importe quoi. Et c'était juste au moment où je commençais les études de troisième cycle. Donc on n'a pas Et donc, d'argent parfois. on n'a pas d'argent. Tout ce qu'on apprend dans les cours de littérature du troisième cycle, il s'agit de la théorie marxiste, la Oui, théorie marxiste, tout on à dit. fait.
Disons que l'université américaine est assez de gauche et on ne peut pas sortir sans avoir. Un peu a été influencé. Oui, sans être influencé, mais avoir la conscience un peu plus ouverte envers le monde et les responsabilités des citoyens l'un envers l'autre. Et donc, moi, à l'époque, je vivais avec un monsieur qui travaillait dans le real estate, comment dire ça, dans l'immobilier Oui. à New York. Et donc, c'était juste, mais c'était lui qui était l'inspiration pour Charles. Aïe. Je n'en Aïe, reviendrai aïe, pas aïe. de la ville que ces gens-là menaient. Et c'était frappant. Et D'accord. donc, quand je me suis échappée en France, je n'arrêtais pas de faire les comparaisons entre le New York que je connaissais moi-même à travers ma vie à moi et le New York que j'avais À travers. observé à travers mon ex. Hein. D'accord. Et donc, et puis de faire la différence entre l'Europe et enfin, un pays plus ou moins socialiste. Et D'accord. ce New York-là, c'était frappant, cette conflit. D'accord. Eh bien, alors, ça m'amène à vous poser une autre question qui va peut-être un peu vous surprendre. Mais est-ce que vous reconnaissez un aspect Woody Allen dans votre roman? Et pour être plus précis, enfin, il m'a fait penser à deux films de Woody Allen dont on pourrait joindre les choses et on trouverait quelque chose comme votre roman, qui sont d'un côté Alice, qui est exactement ce que vous venez de décrire. Alice finira dans l'humanitaire hein, à la fin du film. Et le film, évidemment, Tout le monde dit I love you, qui se déroule à Venise. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez pensé d'ailleurs à Je ça? n'ai pas du tout pensé à ça, mais maintenant que vous me le faites remarquer, je vois à ce que vous voulez dire. Hein. Je pense que oui, il y a ce côté de vouloir représenter une classe bourgeoise intellectuelle à New York. Et ce n'est pas vraiment, je ne les mets pas vraiment en valeur, hein, disons. Mais en même temps, je pense que le ton ou le regard de Woody Allen envers cette classe est plutôt ironisant, Bien sûr. alors que chez moi, c'était beaucoup plus sincère. Hein. Je voulais vraiment dire, c'est pas bien cette manière de vivre. Cela dit, j'ai écrit Il y a ce quand même de roman. l'humour dans votre roman. Oui, il y a pas mal d'humour, mais bon, je l'avais terminé avant la crise de Oui, 2007-2008. donc il prend en plus Donc, une autre c'est un autre résonance. New York. New Oui. York a pas mal changé depuis ce moment-là. Et donc, D'accord. je pense que le roman est devenu un peu roman historique après la D'accord. crise. D'accord. Alors, donc j'ai aussi perçu votre ouvrage et cette remarque vaut en particulier, enfin aussi pour les épigraphes littéraires, comme votre volonté un petit peu d'enclore dans le roman, dans l'espace vénitien, toute la beauté qu'en ce monde Lorraine Elkin adore. Est-ce qu'il y avait ce but un petit peu? Ben, je pense que pour moi, je ne peux pas y échapper. J'ai vraiment une attitude envers les livres que je rédige, qui sont un peu comme des petits cabinets de curiosité. J'aime bien y mettre toutes les choses à propos bien entendu, de l'intrigue, du lieu qui m'inspire. Hein, qui sont bien sûr, je ne mettrai pas quelque chose qui n'avait pas de relation avec l'histoire que je raconte. Mais à propos de Venise, il y a tellement de choses qui m'inspirent et que je trouve intéressantes et qui pourraient ajouter un peu de texture. On dit texture, Oui, ça peut se dire de matière, d'épaisseur. oui, voilà, d'épaisseur de grain Oui. au texte. Donc pour moi, c'est vraiment. Je ne pourrais jamais écrire des textes un peu secs, un Vide, peu oui. vides, un peu. Très élégants, j'en vois pas mal en France en ce moment. Oui, très Mais. conceptuel. Oui, mais je ne suis pas capable D'accord. de faire ça. D'accord. Alors, ça m'amène à vous poser une autre question qui est plus une observation que vous feriez sur notre monde. Est-ce que vous trouvez que notre monde contemporain permet encore aux gens de s'arrêter sur ce qui est beau, qu'il développe bien la faculté d'émerveillement, la capacité tout simplement à trouver du beau? Je pense que c'est assez difficile de répondre à cette question sans avoir l'air d'être vraiment, mais il faut s'arrêter, il faut regarder le monde autour de nous, on est trop occupé avec nos petits téléphones. Bien entendu, ça aide enfin, énormément d'avoir le mail sur son portable, d'avoir le Google Maps, hein. Mais je pense que c'est plutôt la tendance humaine enfin, la tendance humaine peut-être dans les vides, hein, je ne sais pas, de se presser, d'aller directement là où il faut aller sans regarder le monde autour de soi. Mais oui, j'aimerais bien pouvoir suggérer à mes lecteurs à travers mes livres
de se ralentir un peu, de lire mot par mot, d'écouter un peu la musique, de vraiment regarder l'étoile quand on est devant l'étoile. Hein. Cela dit, enfin, moi, quand je vais dans les musées avec mon compagnon, lui, il n'aime pas lire les petites étiquettes qui sont à côté de la toile parce qu'il préfère se Mais il a consacrer raison, uniquement à. ouais. Il a raison, bien sûr. Mais moi, en tant que critique littéraire et en tant qu'historien un peu littéraire, un peu pas vraiment historien de l'art, mais bon, mon attitude envers le monde, c'est en tant qu'historien. J'aime bien savoir quand ça a été créé, puis de faire les allers-retours entre les deux. Donc, ce n'est pas simplement qu'on devrait s'approcher à une œuvre d'art sans avoir des informations à côté. J'apprécie beaucoup Le le va-et-vient. va-et-vient entre les deux. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Alors, il y a un thème qui est un peu relié à ce qu'on vient d'évoquer, qui est le thème, ce n'est pas un thème majeur dans votre ouvrage, mais c'est un thème important qui revient de manière parlée, qui est le thème de l'enseignement. Je rappelle que Catherine, elle est enseignante d'art tout en étant doctorante. Et alors là, c'est pareil, c'est comme pour New York. La vision que cette enseignante d'art a des élèves, mais peut-être les élèves sont vraiment comme ça, les étudiants, est terrible. Il y a beaucoup d'ironie. Vous-même, je crois que vous avez été enseignante. Est-ce que vous partagez cette vision d'élèves finalement pas tellement intéressés ailleurs, etc., que tout lasse? Moi, j'ai trouvé dans mon enseignement, que j'ai beaucoup apprécié par contre, que c'était assez difficile de trouver du terroir partagé, on dit ça, de terre partagée, de Oui, common une ground. sorte de territoire commun, Voilà. voilà, d'accord. Entre ce que attendaient les étudiants du cours et ce que moi je voulais donner. Et dans mon expérience en France, ce problème était un peu hors de question. C'était pas vraiment il fallait vraiment se consacrer Au cours. au cours, à la matière qu'il fallait accomplir. Hein. Mais quand je suis devant un cours qui est peuplé par les Américains, c'est là où j'ai vraiment envie de franchir cette barrière. Hein. Bah, le didactisme un petit peu finalement, le côté très leçon pour avoir plus un contact humain et s'entendre sur ce qu'on est en train d'expliquer. Oui, ben c'est plutôt échapper du Voilà, didactisme c'est ça, oui. et d'entamer une discussion qui va vraiment impliquer les étudiants dans le texte, parce que moi je suis enseignante en littérature. Et donc je pense que quand j'ai réussi en tant que prof, c'était dans les situations où j'ai pu entamer des discussions comme ça, où les étudiants ont découvert des petits moments dans le texte qui leur révélaient ce que c'est d'être critique littéraire, de vraiment lire un texte et de ne pas simplement lire pour l'intrigue. Donc c'est là où j'ai vraiment aimé mon travail d'enseignant. Mais vous avez Et trouvé une voilà. différence en fait entre le public estudiantin, donc américain, et le public estudiantin français, avec un public estudiantin français qui s'attendait plus justement à quelque chose de didactique, à un cours, qu'à un échange avec le professeur. Est-ce que je résume bien ce que Oui, vous venez de me dire? sauf qu'en France, le meilleur cours que j'ai jamais enseigné ici, c'était à l'école polytechnique. J'avais un cours de non-spécialiste, bien entendu, on ne peut pas se spécialiser dans la littérature, dans les langues à Polytechnique. Mais eux, ils avaient passé le système. Ce sont des plus réussis, the golden gems of the French D'accord, system. oui. Et eux, Le joyau du système oui, français. exactement. Voilà, la Et eux, crème de la ils crème. étaient vraiment, mais ils savaient parler des textes, ils étaient vraiment mais vifs et intéressés par la discussion. Donc, Alors que ce sont des scientifiques. alors que ce sont des scientifiques, j'étais Je totalement partage votre avis. choquée, mais choquée. Alors qu'à l'université française, et c'est pour ça que je n'ai plus envie d'enseigner à l'université en France, ils sont mais comme des zombies. On dit ça, Amorphe, zombies? oui, tout à fait, c'est une expression. Amorphe, oui. C'est quoi la réponse? Je leur donne la réponse, ils le notent. Il n'y a personne qui est réveillé. C'était vraiment dommage. Bon, alors oublions l'université et revenons à cette image que vous projetez de Venise. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette image, finalement, c'est un véritable hommage à la culture européenne dont Venise serait la quintessence? Je me demande, parce que si je dis oui, c'est dans le contexte de l'histoire littéraire entre l'Amérique et l'Europe, dans l'œuvre de Henry James, de Edith Wharton. Si je me mets dans cette filière-là, c'est un peu, oh, nous avons notre monde nouveau, il faut l'échapper pour trouver le sens, il faut vraiment trouver du sens dans la vie. En Europe et pour vraiment
mettre en conflit le vieux monde et le nouveau monde. Je fais ça un peu dans le livre, mais je ne suis pas très sûre que ça ait beaucoup de sens pour moi. D'accord. C'est intéressant et c'est là, bien sûr, mais contrairement à ce que maintient M. Woody Allen dans son série un peu récente, européenne, pour lui, les Américains, ils rentrent toujours en Amérique. Ils vont en Europe pour avoir des aventures, pour apprendre les choses, mais à la fin de chaque film, sauf Midnight in Paris, mais là il s'agit de trouver une petite, jolie petite française et là on peut rester. Ils ne restent jamais pour eux-mêmes. Ils ne restent, enfin, soit il faut revenir, soit il faut trouver quelqu'un avec qui faire la vie ici. Mm-hmm. Je suis complètement contre cette idée. Là, dans l'ombre, se tient Vivaldi, le prêtre roux avec son violon, debout près de moi sur le pont des morts, rebaptisé pont des tailleurs. Il croise mon regard, cale l'instrument sous son menton, lève l'archet et commence à interpréter l'été, presto. Il joue avec une telle ardeur que les craies se détachent de l'archet un à un. Je l'observe un moment, puis je dévale les marches du pont, fonce dans la cahier la plus proche, trébuche sur les pavés et dérive dans des passages si étroits que mes épaules nues frottent contre la pierre. Je ne pense à rien, je cours, je fuis, loin devant. Je bifurque, franchis un pont, puis un autre encore, et ralentis en voyant venir vers moi un visage que je reconnais. Les cheveux blonds, virant roux, une lippe protubérante, des roues flaques victoriennes. John Ruskin se tient debout, les bras croisés, et me regarde. Je suis pressé, je n'ai pas le temps de bavarder. Je passe mon chemin et manque de percuter, me dit-il, pâle, roux celle aussi, et vêtue d'une robe lavande en haillons. Le prêtre roux me rattrape et ses coups d'archet frénétiques se transforment en broderie pensive. Je suis absente, hors du temps, immobile devant me dit-il, tout aussi immobile. Nous nous observons. Elle approche une main délicate, irréelle de mon visage, sans me toucher. Tout à coup, elle prend ma main et pour une physique, la serre très fort, l'agitant comme une enfant. Elle me tire vers elle, m'entraîne. Vivaldi nous suit, accélérant le tempo. Nous courons ensemble par les rues d'Orsuduro, Milletel et moi. La ville est belle la nuit. Je crois courir dans les couloirs de notre palazzo privé. Et juste au moment où je commence à me sentir libre, aussi légère et débridée que ma nouvelle bande d'amis, nous arrivons sur le Combo Santa Barbara. Alors, vous ne faites pas qu'évoquer les aspects les plus connus et les plus consensuels, disons, de la culture vénitienne. Vous évoquez aussi une Venise juive, qui est une Venise historique. Hein. Pourquoi cette évocation ? Comme je disais tout à l'heure, j'avais envie de raconter une Venise qui était un peu Venise, pas forcément cachée, mais Venise un peu hors-piste, mm-hmm. Que l'on ne voit pas dans les hors voies des sentiers battus. Hors des sentiers battus, merci. Pour les Américains, et j'écrivais bien sûr pour les Américains, en tant qu'Américain écrivant en anglais, les Américains sont, ou au moins les Américains de New York, sont assez au courant pour l'histoire juive à Venise, mais ils s'intéressent plus ou moins uniquement au ghetto, donc à l'endroit à Venise où les Juifs ont été obligés de rester fermés dans les murs à partir du début du XVIe siècle. Pour moi, c'était encore un mythe bien établi sur mm-hmm. Venise. Et j'avais envie d'échapper un peu de cette conception de la Venise juive et de trouver des autres endroits où on pourrait trouver des traces des Juifs à Venise. Donc c'était pour ça que je me suis décidée à mettre la synagogue à Orsuduro et oui. non pas à Cannaregio où se trouve le ghetto actuel. Ah ben, est-ce que vous ne trouvez pas justement mm-hmm. que les aspects les plus classiques, mm-hmm. les plus connus de mm-hmm. la culture vénitienne mm-hmm. n'ont pas tendance à recouvrir l'étendue, la richesse de la culture juive à Venise? Ah ok, ah bah sans doute. Je ne pourrais pas m'adresser à cette idée classique de Venise étant américaine parce que quand j'ai rencontré mon éditeur, Héloïse d'Ormesson, elle m'a dit « j'adore votre livre ». Je pense que ça pourrait marcher très très bien en France parce que les Français adorent Venise. Les Français ont tous une idée de Venise dans la tête. Et je dirais que les Américains, pas forcément, ou si ils ont une idée de la Venise, ce n'est pas exactement le même qu'ont les Français. Et donc, la Venise classique, je la connais, mais un peu à travers
la France. Et donc, je ne suis pas C'est une très vision sûre. biaisée alors, Oui, oui. voilà. D'accord. Et alors, bon, le fait quand même que ce soit recouvert un petit peu par par une autre forme de culture, quel est le sens de cette synagogue mystérieuse dans le livre? Quel Comme est vous le avez dit, sens? cette synagogue qui est improbable parce qu'elle est en sous-sol, alors que comme on le Elle sait, n'est il n'y a pas au pas. sous-sol. Elle est un petit peu quand même dissimulée, elle est au rez-de-chaussée quand Oui, même, voilà. exactement. Mais quel est le sens métaphorique de cette Je synagogue? ne sais pas, je ne pourrais pas vous donner les Ah bon? métaphores, il faut trouver vous-même. Moi-même, d'accord. Mais il y a un sens quand même. Est-ce que vous avez eu en tête consciemment un sens de cette synagogue? Disons que, enfin, pour les auteurs, bien entendu, c'est très difficile de spécifier l'essence de telle ou telle chose dans un roman. Mais pour moi, le synagogue caché, la synagogue La cachée, synagogue, oui, merci. cachée. Je ne sais pas, je ne pourrais pas donner une réponse D'accord. bien cernée. Je suis désolée. C'est au lecteur d'être le co-écrivain et il Voilà. imaginera pourquoi il y a une synagogue dissimulée dans le Mais le roman. co-écrivain, dans ce cas-là, ça dirait que l'écrivain devrait être didacticiste, on dit ça? Non, pas vraiment, mais comme disait peut-être un peu Balzac, écrire, c'est créer à deux. Vous avez fait votre part du travail en commettant le livre. Il reste au lecteur à faire sa part du Voilà. travail en le lisant et en trouvant ses interprétations. Mais c'est une question intéressante. Je me demande si j'ai donné des métaphores à propos de la synagogue dans le livre. Je pense pas. Je pense que c'est assez straightforward, Dès lors comment qu'on dire. se met à étudier un livre, on a tendance à voir des métaphores partout. Oui, mais pas à propos de la synagogue. Je Oui. pense. Alors, bon, vous Je venez de suis. donner une J'ai forme. peut-être tort. Peut-être donner une forme de réponse. Ma mère est née dans cette maison. La synagogue avait été fermée par mes grands-parents, qui n'étaient pas pratiquants. Ils étaient complètement assimilés. À cette époque, les Juifs n'étaient pas en danger. Nous étions des Italiens presque comme les autres. Même Mussolini avait une maîtresse juive. La famille de ma mère travaillait dans les tissus, chez Fortuny. Ils n'étaient pas riches, de simples gérants. Mais comme vous le savez, Mussolini a eu besoin du soutien d'Hitler et, en 1938, les Juifs d'Italie ont été privés de leurs droits, chassés des écoles publiques. Mon grand-père a perdu son emploi, comme tout le monde dans la famille. Je ne les ai pas connus, ils ont été déportés en 1943. Ma mère n'avait que 20 ans, elle était au Lido avec mon cousin Giacomo lorsque toute la famille a été arrêtée. À leur retour, il n'y avait plus personne. La maison était intacte, mais vide, et les Allemands occupaient la ville. Vous imaginez leur panique? Un Allemand pouvait venir à tout moment les arrêter. Plutôt que de fuir, Giacomo et ma mère ont décidé de se cacher dans la synagogue. Ils pensaient sans doute que ça ne durerait pas, que leur famille allait être libérée et qu'ils n'auraient pas à se cacher bien longtemps. Ils sont restés là plus d'un an. Pour se nourrir, ils ne pouvaient se fier à personne et sortaient à la sauvette. Au début, ils ne se méfiaient pas trop. Ils s'approvisionnaient régulièrement, mais comme ils apercevaient dans la cour des gens qu'ils ne connaissaient pas, la peur a fini par les gagner. Craignant d'être découverts, ils ont alors maquillé la synagogue en entrepôt. À deux, vous imaginez? Ils ont dissimulé les mosaïques avec de la vase et de la glaise du canal. Votre roman compte beaucoup de personnages, on pourrait même parler d'un roman choral, n'est-ce pas? Dont tous les destins finissent plus ou moins par se recouper. Est-ce qu'on peut parler d'une circulation vénitienne dans votre roman? Ça, c'est une question intéressante. En fait, quand j'écrivais ce bouquin, mes amis me posaient cette question, de quoi il s'agit, ton roman. Et j'ai dit, je ne suis pas très sûre. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un récit guidé par un gondole. I said it's a Voilà, c'est gondola-driven ça. narrative. Voilà, oui. Donc j'aime bien cette idée de circuler dans la ville justement par l'eau ou au fil au gré du temps, où on va un peu, enfin, comme on ressent. Disons que Catherine apprend très tôt dans le bouquin que c'est très difficile Oh, c'est difficile d'exprimer en français. C'est difficile si on veut se rendre quelque part à Venise, et si on commence et on fait D'aller un mauvais droit. tour, Oui. on ne peut pas continuer et trouver un autre endroit pour y aller. Il faut D'accord. retracer C'est ça. ses pas. Retourner sur ses pas. Voilà. Retourner sur ses pas. Merci. D'accord. Et donc pour moi, c'était une chose qu'il faut apprendre à propos de Venise quand on est là, quand il faut marcher dans les ruelles et éviter les canaux. J'ai trouvé que c'était vraiment un rythme intéressant que je voulais capter dans mon livre. D'accord.
Alors, tous vos chapitres sont précédés, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vraiment un choix d'épigraphes, mais qui est de toute beauté. Ça fait aussi un peu fonction d'anthologie littéraire, parce qu'il y a des textes voilà, qu'on n'est pas censé connaître et qui sont de toute beauté. Pourquoi ce choix d'épigraphes ? Pourquoi le choix d'utiliser des épigraphes ? D'abord, parce que j'aime bien l'effet que ça donne, le frisson un peu entre une épigraphe et un texte. Je suis une grande admiratrice de Rilke et donc j'ai beaucoup pesé sur Rilke pour des épigraphes qui commencent les quatre parties du livre. Ce sont tous des élégies Duino, on dit ça en français, Duino Elegies. Et pour moi, c'était étonnant comment les élégies de Duino arrivaient à exprimer un peu l'amour que Catherine a pour Marco et aussi les problèmes que Marco a pour aimer Catherine en retour. Et justement, c'était un parti que je trouvais tout ça dans Rilke. Et puis après, c'était un peu que Rilke m'a fourni de quelques images ou de quelques moyens de raffiner ou de texturiser la relation entre Catherine et Marco. Donc pour moi, les épigraphes ont été vraiment des inspirations de l'écriture ainsi que des petits moments de réflexion sur le texte. D'accord. Alors justement, ça nous amène à nous interroger sur comment vous écrivez vos romans. Est-ce que vous faites des plans, par exemple ? Non, je ne fais pas de plans. Mm-hmm. Il ne faut pas faire de plans. Vous trouvez que c'est une très mauvaise idée. D'accord. Oui. Et dans votre roman, bon, vous parvenez, ça aussi c'est une des grandes réussites de votre roman, à créer des personnages qui sont extrêmement denses, c'est-à-dire ce ne sont pas des êtres abstraits, on les voit, on peut même les rechercher dans la rue après avoir lu votre roman. Et en même temps, jusqu'à la fin du livre, où il y a un dénouement qui est relativement clair, ce sont des personnages très mystérieux. Comment on arrive à cet équilibre de légèreté et de densité? Qu'est-ce que vous voulez dire par « il reste mystérieux » Il y a quelque chose en eux sur quoi on n'est pas éclairé, il y a quelque chose en eux qui n'est pas décidé. Quand vous prenez le personnage de Neva, ça reste toujours la dame à la gondole que Marco conduit sans savoir vraiment pourquoi. Marco, c'est toujours comme ça, une espèce de personnage assez romantique, et bien qu'on ait appris beaucoup de choses sur lui à la fin du roman. Il y a toujours quelque chose qui reste, qui participe d'ailleurs de son charme, un peu mystérieux, etc. Et quant à Catherine, là, c'est encore différent. Le mystère, je crois qu'elle est un mystère pour elle-même pendant très longtemps. Est-ce que vous travaillez ces deux plans de créer vraiment des personnages réalistes, disons, et en même temps qui ont un certain mystère, une grâce? Oui. C'est quelque chose qui ne se fait pas consciemment, mais je pense que si on a des valeurs en tête en tant qu'écrivain, ça s'exprime bien évidemment dans la rédaction. Et quand on est en train de rédaction, et puis après, quand on retravaille, quand on relit, on a cette idée en tête de ne pas trop, de maintenir un peu l'ambiguïté des personnages, bien sûr, mais aussi d'être sûr d'avoir bien déligné, est-ce qu'on dit ça? Délayé. Les formes psychologiques de ces personnages aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui sort, je pense, après qu'on a terminé une esquisse. C'est pas une volonté consciente, c'est pas un travail conscient, c'est quelque chose qui vient. Oui, c'est quasiment conscient parce qu'on sait ce qu'on veut, mais c'est assez difficile de dire vraiment ce qu'on veut dans un roman quand on est en train de le travailler. On sait quelque part ce qu'il faut faire. On connaît le but. Oui, mais peut-être qu'il n'y a pas plein de techniques au cours du chemin pour arriver là. Ça va venir naturellement. Je ne me suis pas dit qu'il faut qu'il reste mystérieux à la fin. Voilà, mais je ressens que c'est mieux s'il reste comme ça. D'accord. Donc. Et ça s'accomplit dans l'acte d'écriture, du coup. Voilà. D'accord. Mais ce n'est pas plein de petites techniques. Pour dire, attention, là, il ne faut pas trop en dire. D'accord, très bien. Justement, ça m'amène encore une fois à vous poser une question sur la création littéraire. Donc, comme on l'a dit, vous êtes américaine. Et je sais qu'aux États-Unis, il existe des cours de... Alors, vous me pardonnerez mon accent... de creative writing. Vous êtes très gentil, mais je ne crois pas, malheureusement. Est-ce que vous avez suivi de semblables cours? Non. Non. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est... Je suis assez partagée à propos des cours de creative writing. D'un côté, je pense que l'écriture, c'est quelque chose que l'on apprend en lisant et en écrivant. Et donc...
enfin, dans la mesure où on peut apprendre des choses d'un écrivain, quand on est en train de lire cet écrivain, on peut aussi apprendre des choses d'un écrivain quand on a cet écrivain face à face, à vous. Comme par exemple dans un entretien comme ça, vous me posez des questions à propos de ma technique, donc ça pourrait aider peut-être d'autres écrivains dans leur travail à eux. Mais je suis persuadée que à la fin, à la base, c'est quelque chose qui vient de la soi-même personne. Et qui ne peut pas être appris. Cela dit, je trouve très bien qu'il existe cette structure universitaire aux États-Unis, parce que ça donne beaucoup d'attention au département d'anglais qui sinon seront un peu marginalisés parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec une licence en anglais. Si on professionnalise un peu les étudiants pour devenir les écrivains ou dans l'écriture, c'est pas mal aussi, même s'ils ne deviennent pas écrivains. Enfin, au moins, ils ont appris un peu s'exprimer dans la langue anglaise et ce n'est pas mal non plus. Mais ça maintient tout un système d'étudiants qui deviennent des profs qui ont qui encore des nouveaux cours de creative writing. Exactement, et qui publient dans les mêmes journaux littéraires aux États-Unis qui ne sont lus que par les étudiants et les profs. Et c'est assez difficile. C'est de vase clos, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est assez difficile de rentrer dans ce système si on n'en a pas fait partie. D'accord. Et donc, voilà, je suis un peu suspicious. Partagée et même sceptique. Sceptique. D'accord. Alors, votre ouvrage a été rédigé en anglais et puis traduit en français par Jean Linker. Tout de suite, une question sur la traduction. On entend quand même que votre français est excellent. Pourquoi ne pas avoir traduit vous-même votre ouvrage? Et est-ce qu'à travers une traduction, on n'a pas l'impression que le style, qui compte quand même beaucoup dans un livre, vous échappe un peu? Pour ce roman, bien sûr, il s'agissait d'une manque de temps. J'étais en train de rédiger ma thèse au moment où Héloïse a acheté le les roman. Droits, oui. Et donc, je n'avais pas le temps, pas du tout, de traduire moi-même. C'est aussi, peut-être que mon français n'était pas au niveau qu'il fallait pour le faire. C'est un roman assez dense. Oui. Et donc, j'apprécie beaucoup le travail qu'a fait Jean Linecker. Au niveau du style, je dirais que ce n'est pas forcément mon style à moi, mais ce n'est pas si loin que je me sens, qu'il me semble étrange. D'accord, oui, d'accord. Voilà. Donc je me reconnais un peu, mais pas tout à fait, mais assez pour que ça ne trahit pas en tous les cas ce qu'aurait pu être votre style. D'accord. Alors il y a de très nombreux points communs entre votre héroïne Catherine et vous-même. On ne va pas tous les citer. C'est une jeune femme, elle est new-yorkaise, elle est universitaire, elle a eu un ami, Charles, qui a incarné tout ce qu'elle pouvait détester dans une certaine bourgeoisie new-yorkaise. Ben, c'est très simple. Est-ce que votre roman est un roman autobiographique? Je dirais que, dans une certaine mesure, tous les romans sont autobiographiques parce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Donc, quand on est en train de rédiger à l'intrigue, de construire un personnage, il faut toujours être capable d'avoir reconnu cette valeur ou cette qualité quelque part dans le monde. Donc ça vient tous de notre propre expérience. Je suis aussi sceptique à propos du terme roman autobiographique. En tant que chercheur, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle en anglais « life writing », donc c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'écriture, au récit de vie. Voilà. Et j'aime bien lire les autobiographies, lire des romans dits autobiographiques. Je travaille beaucoup sur Jean Rhys, qui est une écrivaine anglaise. Les romans qu'elle a écrits dans les années 30 sont pas mal basés sur sa vie, sa propre vie. Mais je suis contre cette idée de roman autobiographique, là où c'est appliqué uniquement aux femmes d'abord, et aussi où on se sert de ce mot pour limiter un peu l'accomplissement, disons. Oui, la réalisation. La réalisation. Donc,
Encore, pour aller plus loin, je dirais que c'est assez difficile de bien rédiger des récits autobiographiques ou des romans autobiographiques parce qu'on est trop proche. Donc pour moi, personnellement, je pense que quand je regarde ce roman et en tant que critique de mon propre travail, je pense que les parties qui s'agit de Neva sont mieux réalisées que les parties qui sont inspirées par ma propre vie. D'accord. Voilà. Alors, on va quand même se reconcentrer quelques instants sur Catherine. Et au cours de son année vénitienne, votre héroïne va connaître un certain nombre de bouleversements. Est-ce qu'on peut parler, à défaut d'un roman autobiographique, d'un roman initiatique? Sans doute quelque part, hein, parce que bien entendu, Catherine est en train d'expérimenter les choses qu'elle n'a pas expérimentées auparavant. Mais c'est une femme de, elle a, je ne sais pas, j'ai oublié, 26, 28 ans. Je n'ai pas calculé son âge, j'ai pas trouvé de données précises sur son âge. Elle n'est pas si jeune que ça, donc ce n'est pas, je pense que... Elle est dans le milieu de la vingtaine, disons. Oui, disons que, enfin, oui, elle sait des choses, elle est au courant des choses. D'accord, ce n'est pas une naïve. Voilà, mais en même temps, enfin... Pour elle, pour Neva, pour Marco, ils sont tous en train de découvrir des choses qu'ils ignoraient avant. C'est, donc voilà, je ne sais pas si ça adresse si, vraiment peu, votre oui. question. C'est-à-dire que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que même l'interaction des personnages est initiatique finalement pour tout le monde. Bon, Neva est sûrement une des plus âgées et vous dites finalement que même pour elle, c'est initiatique cette rencontre. Et c'est là où on retrouve ce principe de roman choral où chaque personnage apporte quelque chose à l'autre comme ça par le jeu de la rencontre. J'ai quitté peu après l'appartement de Neva. Je me sentais mieux, je pouvais me réveiller le matin sans souffrir, comme si après un marathon, j'avais retrouvé un rythme cardiaque normal. J'étais plus légère qu'à mon arrivée, je m'étais libérée, pour un temps sans doute, du fardeau des illusions. J'avais perdu mon optimisme naturel, mais j'étais devenue plus adulte. À New York et au début de mon séjour, j'avais une certaine personnalité que je préservais par des refus, des compromis mineurs et des expiations immédiates. Les transgressions que j'avais commises avec Marco m'avait libérée de cette version fabriquée de moi-même, et en même temps de tout système moral. Pour peu qu'un sentiment de culpabilité m'atteigne, je le repoussais. Je naviguais insouciante aux côtés de Marco, et cette liberté nouvelle était une déclaration d'indépendance vis-à-vis de Charles, de mes parents, de mes amis, de tout ce qui m'avait construite autrefois. Marco n'était pas la liberté elle-même, mais son vaisseau. Au début de notre liaison, j'ai pensé à la liberté, que la liberté était l'antithèse de la morale. C'était faux. La liberté était un moyen de navigation dans le système moral. Être libre, c'est accepter le poids du jugement sur l'itinéraire que vous choisissez et la qualité de voyage que vous effectuez. En transbahutant mes sacs dans le hall d'entrée, dernière étape avant de partir de chez elle, je dis à Neva que je ne croyais plus à ce qu'on appelle le destin. J'avais cru que Marco et moi étions faits l'un pour l'autre et que le destin nous avait conçus pour nous réunir. Mais je ne le pensais plus. Pour moi, la vie était désormais une série d'événements aléatoires à laquelle nous donnions une continuité ou que nous brisions. Autrement, ça n'avait pas de sens. Le destin n'existe pas, il n'y a que des actes et leurs conséquences. Mon attachement à l'idée de destin était un acte et sa conséquence, mon malheur. On a vu comment dans le panorama culturel de Venise, vous rendiez un peu sa place à l'importance de la culture juive. Mais est-ce que tout ceci ne permet pas aussi à Catherine de renouer bizarrement avec ses origines juives en quittant pourtant son milieu familial? Oui, c'est intéressant en fait parce que justement, comme vous dites, Catherine, elle fuit un peu sa famille à New York et les expectations qu'ils ont pour elle et pour sa vie. Les attentes, oui. Les attentes, voilà. Merci. Justement pour retrouver à Venise, pas par exprès, mais totalement par hasard, ses origines juives. Elle vient d'une famille mixte, son père est catholique et sa mère est juive, qui est l'inverse de moi-même. Mon père est juif et ma mère est catholique. Ni l'un ni l'autre ne sont pas pratiquants, mais bon, c'est la culture familiale. Mais comme Catherine, d'ailleurs, elle est complètement athée en réalité. Elle revient à ses origines juives, mais c'est beaucoup plus culturel que culturel. Exactement. Mais en même temps, il y a plusieurs scènes qui se déroulent dans les églises. Et donc, je dirais qu'en même temps, comme elle découvre ses racines juives, elle découvre aussi son côté catholique et elle arrive à apprécier le rôle que joue la religion catholique dans la vie des Vénitiens. Plus que dans la mesure
d'une historienne d'art. D'accord. Alors, notre évocation des bouleversements que Catherine va connaître en allant à Venise serait incomplète si on n'évoquait pas le bouleversement amoureux, qui est quand même très important. Est-ce qu'on peut dire que, d'abord, il y a un certain érotisme dans votre ouvrage. Est-ce que vous reconnaissez ça? Yes. Oui, d'accord. Parce que c'est quelque chose qui est assez tranchant sur le reste du roman, mais il y a beaucoup de notations, c'est un regard féminin sur le dos d'un homme, etc. C'est un peu, pas surpris, mais disons que voilà, c'est pas quelque chose qu'on est habitué à voir. Puis il y a d'autres choses plus détaillées, disons. Mais est-ce que vous reconnaissez une part d'érotisme dans ce roman? Oui. Oui, avec plaisir, vraisemblablement. Et on peut dire aussi que, est-ce que c'est un personnage qui naît tout simplement à sa propre sensualité? On a l'impression que c'était un personnage un peu coincé dans la culture puritaine américaine, quoi, Catherine. Et avec Charles qui n'est quand même pas tellement attirant, surtout avec le personnage qui a... Oh, pauvre Charles. Oui, enfin, je crois qu'on ne plaindra quand même pas trop. Et que finalement, avec Marco, la latinité, le mystère et le romantisme de ce personnage qu'on n'arrive jamais à attraper vraiment, réveille toute une sensualité de Catherine. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un personnage qui naît à sa sensualité? Peut-être. Je ne souhaiterais pas rentrer dans un cliché où on échappe au puritanisme américain pour Mais est-ce que c'est un cliché? Est-ce que c'est un cliché? Yes. Oui, alors dans ce cas-là. C'est un grand cliché. D'accord. Le latin sexy italien. Je pense que pour Catherine, c'est une question d'intensité plutôt. Parce que Charles, ça va, il mène sa vie, il fait son truc. Il a pas mal de pouvoir à travers sa famille et son propre travail. Mais Marco, il est totalement à part de ce monde. Et il a beaucoup de passion, il est très intense. Et pas forcément ce n'est pas forcément une chose bien. C'est quelque chose qui anime le livre. C'est une... un érotisme et aussi une intensité d'amour qui frappe Catherine. C'est la première fois qu'elle voit quelque chose comme ça. Et ce n'est pas forcément parce qu'il est italien, il vit à Venise, c'est plutôt lié à son histoire. À sa psychologie, à la psychologie intime du personnage, c'est vrai. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'elle apprécie chez lui et c'est ça qui lui permet à déclencher son propre vie sensuelle. Mais d'ailleurs, de toute façon, elle finira même par devenir très philosophe par rapport à Marco et à prendre une certaine distance par rapport à cette passion dévorante. On ne peut pas vivre comme ça. Non, et avec une scène dans l'église qui est une scène de passion, ce qui est drôle de trouver une scène de passion dans une église, et de passion amoureuse, et en même temps une scène de souffrance et de douleur extrêmement importante dans votre roman. J'allais à l'église, je n'avais rien d'autre à faire. Je m'aventurais dans une petite église devant laquelle je passais parfois, près de l'école d'architecture, San Niccolo dei Mendicoli, au clocher trapu et à la façade de briques et de broc. J'y entrais pour y contempler les mosaïques et les ogives, pour m'occuper. J'attendis que mon corps s'adapte à l'espace, à la faible lumière de centaines de bougies, à l'odeur de l'encens. Un bruit de pas lent, solennel, sur les dalles de marbre, de quelqu'un que je ne voyais pas. Je respirai lentement et sentis quelque chose céder en moi. Je me détendis. Comme si un masseur avait soudain dissipé la tension extrême de mon esprit. J'avançai vers la gauche, puis reculai dans une abside. Le bruit de pas s'estompa. Je me laissai tomber sur une chaise en bois et levai les yeux vers l'autel. La Sainte Vierge m'observait dans toute sa splendeur azurée. Dans ses bras, l'enfant tendait une main sur laquelle était perché un chardonneret. Refusant de regarder cette peinture d'un œil universitaire, je ne vis qu'une femme et un petit enfant. Je vis la femme de la foi catholique, cette icône, immense sainte pour tant de gens. Je voulais qu'elle m'aide si elle était si puissante, qu'elle me sorte de l'abîme. Peut-être le ferait-elle si je priais, si je la priais vraiment. Prier, pourquoi n'y avais-je jamais pensé? Nous employons souvent ce mot sans réfléchir à son sens. S'adresser à Dieu, quelle humilité et quel culot! Supposer que sa voix puisse avoir un effet sur l'ordre cosmique. Croire qu'une conscience préside à l'ordre cosmique et élever une prière à cette conscience, quelle futilité et quelle désespérance! Je m'effondrais, les larmes étaient venues avec le mot désespérance. Je perdis ma résolution, tout ce qui me faisait tenir, tout ce qui me restreignait. Ma bouche s'ouvrit, là, dans l'église, j'émis des sons irréels et pourtant bien terrestres, les sons d'un cœur humain et désintégrant. J'étais cloué au sol, devant un pouvoir, devant ce qui m'arrivait. Mes épaules se soulevèrent, peu m'importait qui me voyait ou m'entendait. Je pleurais sans retenue, pour la vie que j'avais laissée partir, pour la vie que j'avais cru construire, et parce que je n'avais plus la force de faire quoi que ce soit, de lire, d'écrire, de marcher, d'aimer.
Le sol se déroba et je crus tomber à la renverse. Pourquoi ne pas me laisser tomber ? Chuter n'est pas le plus terrifiant. On peut survivre à une chute. Le plus difficile, c'est de se relever. Je revins à moi, incrédule. Que faisais-je ? À genoux dans une église catholique, à gémir comme une folle, à implorer pitié, à quémander pardon parce que je ne croyais en rien, hormis à la petite vie égoïste et sordide qui me causait tant de chagrin. Pardon pour avoir péché en vénérant un homme qui m'avait abandonné. Qu'est-ce que je fabriquais ? Comment pouvais-je m'abaisser ainsi pour lui ? Je n'avais pas l'esprit religieux. J'étais une universitaire, sceptique, empiriste. La religion appartenait à une toute autre sphère, émotionnelle. C'était croire en l'invisible. Eh bien, nous, pour le moment, nos espérances, c'est que votre carrière littéraire en France soit encore longue. C'était un plaisir de vous recevoir dans l'Essonne en auteur. Et donc, nous prenons aussi congé de nos spectateurs en leur disant au mois prochain pour une nouvelle émission de l'Essonne en auteur.